Monsieur le ministre, c'est Monsieur Abaga. Monsieur Abaga, BME, Samuel. Je suis du cantonnement de Komokango, plus précisément dans le village de Fouplace. Alors c'est un témoignage, parce que nous avons commencé par les témoignages, puis les causes et puis les questionnements. Mais pour le témoignage de la vie actuelle des habitants des du village de Fouplace et jusqu'à Ekouk, c'est qu'aujourd'hui, c'est-à-dire les éléphants ont dévasté les plantations qui étaient, je peux dire, de 2 à 3 kilomètres des villages. Alors, ces populations, quand ils ont vu cette crise, et ils ont abandonné de faire des plantations loin, normalement, des villages. Alors aujourd'hui, là où je vous parle, les éléphants, maintenant, sont venus attaquer derrière les maisons toutes les nouvelles plantations qui ont été faites. Maintenant, nous ne savons plus à quel sein se vouer en ce moment. Les enfants, l'école, même notre propre vie. Nous ne savons vraiment comment nous pouvons maintenant vivre. Parce que nous vivons un espace de cette terre, de l'agriculture. Aujourd'hui, je vous le dis, il n'y a plus rien. Et vivre, nous vivons maintenant, on ne sait, c'est-à-dire avec la débrouillardise. Donc, c'est le témoignage, en fait, de ce village, de Fouplace et ses environs. Je vous remercie.